Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct du Hungaroring ici en Hongrie pour vivre les essais libres d'un Grand Prix qui s'annonce assez mouvementé aux conditions météo incertaines et le paddock est déjà en train de s'animer et les premières images nous parviennent, j'espère que vous êtes bien installés. On va vivre ensemble le résumé de cette manche hongroise avant de nous rediriger vers l'Allemagne pour la dernière fois puisque oui, l'année prochaine l'Allemagne n'aura plus droit à son Grand Prix, il y aura pas mal de bousculades, on parle en ce moment. Vous le savez, c'est le début de l'été en Formule 1 et c'est la période où on commence à travailler le calendrier de la saison suivante. Et bien, on peut constater que le Grand Prix d'Allemagne disparaîtra lors de la saison 2018. Il y a une nouvelle rumeur qui également anime le paddock. La réglementation pourrait changer au niveau des moteurs et on pourrait éventuellement refaire machine arrière et redécouvrir un moteur V8. Mais pour l'instant, tout ceci n'est qu'en discussion. Pour l'instant, nous sommes avec Stoffel Vandoorne dans cette première séance d'essai libre, donc ici sur le Hungaroring, séance souvent dédiée à la mise en place des voitures, des premiers réglages et surtout de l'acclimatation du circuit qui a besoin d'être gommé puisque ce sont des pluies diluviennes qui ont arrosé cette piste depuis maintenant le début de la semaine et on avait très peur pour la tenue des qualifs et de la course, mais finalement la météo risque d'être finalement plutôt clémente avec tout ce qui a été déversé depuis le début de cette semaine en Hongrie. On espère qu'il n'y aura plus d'eau dans le ciel et que l'on va pouvoir tranquillement assister à ce Grand Prix de Formule 1 dont Stoffel Vandoorne est d'ailleurs l'un des premiers à avoir pris la piste ce week-end avec la séance d'acclimatation donc au circuit du Hungaroring. Il y aura trois types de pneus alloués ce week-end, les pneus médium, les pneus soft et les pneus super soft. On vous en reparlera évidemment au départ de la course dimanche. La première séance d'essai libre se passera avec quelques gouttes de pluie, mais rien qui n'empêchera les pilotes de se placer correctement chacun dans le tableau. Tout le monde va pouvoir rentrer un chrono dans cette première séance du vendredi matin. Et le tableau des résultats de cette première séance, c'est Fernando Alonso devant Sébastien Vettel qui en pneu médium se sont montrés les plus véloces. Derrière, tout le monde a tourné quasiment avec la gomme la plus dure. Le vendredi après-midi, place au soleil. Il fait du bien ce soleil, il va permettre aux pilotes de travailler dans des conditions un peu plus chaudes. Et donc avec une gomme un peu plus tendre, les chronos devraient tomber et ça va être le cas. On s'affaire à remettre les voitures en condition qualification puisqu'il risque d'y avoir de nouveau pas mal de mouvements en séance d'essai libre 3. La pluie menace donc de nouveau demain pendant la qualif. Vous le voyez, ça s'est plutôt bien passé pour Stoffel Vandoorne dans cette recherche et ce développement des pneumatiques ici en Hongrie avec eh bien, tout simplement 7 tours dans le mauve. Donc les objectifs sont bien remplis, encore des points de recherche qui vont venir étoffer les performances de cette McLaren Honda dans une lutte pour le titre encore plus serrée face à Fernando Alonso. On rappelle que le Belge est titulaire de 179 points, là où Alonso n'en a que 148. Donc il va falloir rapidement remettre les pendules à l'heure pour l'Espagnol. I need to finish this program and then I come back to the pit. Et Stoffel Vandoorne qui de manière assez solennelle annonce à son ingénieur qu'il doit d'abord terminer son run pour sa recherche et son développement avant de rentrer au box, récupérer un petit peu de carburant parce qu'il est assez bas. On a beaucoup hésité à travailler déjà sur la qualification pour beaucoup d'équipes parce que la menace de pluie qui règne sur la matinée de demain peut amener à quelques pertes de temps de piste qui pourraient être important avant la course de dimanche. Tout le monde a terminé en super soft donc. On a beaucoup travaillé, donc je le disais, pour la qualification dans le doute avec la pluie qui devait venir. Stoffel, 15e place avec des pneus soft. Just got some cars in front of me now. I have a clear track, I can go faster. Alors, on est dans une phase intéressante de cette troisième séance d'essai libre en ce samedi matin puisque Stoffel Vandoorne rencontre beaucoup de trafic et finalement, après avoir libéré de l'espace devant lui, il va pouvoir attaquer dans sa possibilité de faire un tour rapide avec les pneus super soft. Et voilà
comment s'est terminée cette troisième séance. De nouveau, Stoffel Vandoorne a la faute. Alors ça lui arrive beaucoup en ce moment dans cette troisième séance d'essai libre de casser la McLaren et ça commence un petit peu à l'énerver. Il dit « Je suis constamment à la recherche de la limite et je la dépasse » et ça peut parfois amener à des situations délicates comme ici où il faut quasiment refaire tout le train avant de la McLaren qui était pourtant bien réglée. Voici les résultats de cette troisième séance et c'est son équipier Alonso qui repart avec le meilleur temps final. Les objectifs de la séance qualificative sont clairs pour l'équipe McLaren, verrouiller la première ligne ce samedi après-midi ici avec une deuxième place demandée à Stoffel Vandoorne. Samedi après-midi, séance qualificative et vous le voyez dans le paddock, on rigole du côté de chez Mercedes puisqu'on a pu remonter un petit peu la pente, on est devant Ferrari au classement général, alors c'est déjà bien le cas au classement constructeur, mais au classement pilote on a désormais Bottas et Hamilton devant Vettel et Raikkonen. C'est un petit peu plus difficile pour par exemple ici l'une des Manor qui souffre depuis le passage de la mi-saison. On découvre le résultat de la première séance qualificative qui s'est passée sans trop de problèmes. On ne va pas non plus s'étaler sur le sujet, on n'a pas perdu de pilote important. On passe directement à la deuxième séance qualificative de ce Grand Prix de Hongrie, la Q2 qui se passe, vous le voyez, sous les nuages. On avait craint à un moment donné que la pluie vienne perturber les événements en tout début de matinée. C'est finalement sur le temps de midi que les cumulus se sont amenés au-dessus de la piste du Hungaroring. Alors ici, place à la Q2, il faut se placer donc dans les 10 premiers pour avoir une chance de passer en Q3 et déterminer les 5 premières lignes de cette grille de départ. Jeff, I just saw a lot of clouds on the main street. Just tell me how many minutes before the first rain drops? How many minutes before the first rain drops? Et du côté de Stoffel Vandoorne, alors qu'en tour rapide on est un peu gêné par l'une des Mercedes dans le deuxième secteur, on annonce 10 minutes avant les premières gouttes de pluie. Alors pour le moment c'est sec, mais est-ce qu'on aura de l'eau pour la Q3? Reste à savoir si on pourra aussi rentrer un chrono, ça risque de nous donner une grille un petit peu particulière. On va rester attentif aux conditions météorologiques, pour l'instant pas d'annonce non plus de la part de la direction de course sur une éventuelle chute d'eau dans les prochaines minutes. Un chrono dans le deuxième secteur effectué en pneus super soft pour l'ensemble des pilotes, sachant que demain il devrait faire bon. Ok Jeff, copy. I see the first raindrop from my visor. Et Vandoorne qui rapporte les premières gouttes de pluie sur sa visière. Pour l'instant, pas de quoi mettre des pneus intermédiaires, on va rassurer tout le monde. Mais en tout cas, il fait plus froid. Ah, un peu de sous-virage dans le dernier virage. Et la réaccélération et l'ouverture du DRS pour le pilote belge. On va découvrir les résultats de cette Q2. Et au final, c'est bien Fernando Alonso et son compatriote Carlos Sainz qui sont les deux plus rapides. Les deux Toro Rosso sont passés. Belle performance également des Red Bull. Les deux Manor se sont retrouvés arrêtés, tout comme la Haas de Romain Grosjean à l'issue de cette Q2. I can't go much faster with the rain coming, Jeff. So I think we can stop. It's not possible for us to go faster with this amount of water on the track. So yeah, that's it. Et c'est un petit peu un message de résignation que l'on vient d'entendre de la part de Stoffel Vandoorne à son ingénieur. Je ne peux pas aller plus vite avec l'eau qui est en train de s'accumuler sur la piste. J'ai signé un quatrième temps, mais avec l'eau qui arrive, eh bien, je pense qu'il faudra bientôt passer en intermédiaire. Donc on a peut-être déjà une grille établie et la grille est assez intéressante puisque pour l'instant le poleman n'est personne d'autre que Max Verstappen. Donc c'était pas prévu non plus d'avoir une Red Bull en pôle pour cette période de l'année. On sait que les Red Bull sont un petit peu en retrait derrière les Ferrari, les Mercedes et les McLaren. Et là, eh bien Verstappen se retrouve un petit peu par surprise en pole position. On va terminer quand même ce tour en compagnie de Stoffel Vandoorne. Va-t-il pouvoir améliorer cette position sur la grille de départ avec les gouttes d'eau qui tombent? C'est vraiment une grille assez originale à laquelle nous allons avoir droit, je pense, ici à la fin de cette Q3 au Hungaroring. On va voir d'ici quelques secondes, alors que voilà, la direction de course a officiellement retiré le DRS. Ça veut dire que là, on n'aura plus du tout d'amélioration de la part de ces 10 pilotes en piste. On va terminer le tour de Stoffel Vandoorne malgré tout. Et vous voyez que le sous-virage est là, ça bloque un peu les roues. C'est pas facile de passer la puissance au sol dans ces conditions. Ça glisse pas mal. La dernière réaccélération pour le Belge et le verdict du chrono, c'est un retard conséquent de plus d'une seconde. Et c'est donc Verstappen et Carlos Sainz qui seront sur la première ligne, une grille inédite donc pour ce Grand Prix. Vandoorne est quatrième et réussit à devancer Alonso et Kimi Raikkonen. C'est une bonne chose, l'objectif sera simple du côté de chez McLaren, remporter la course.
Dimanche, jour de course, ici au Hungaroring, le tourniquet hongrois séparé du soleil pour vous accueillir dans cette nouvelle course de cette saison 2017 de Formule 1 et au programme eh bien, des conditions nuageuses, vous le voyez, alors que l'on découvre le dessin de ce tourniquet infernal, peu d'endroits pour se reposer pour les pilotes, une zone de DRS placée devant les stands qui sera sans doute le théâtre de pas mal de dépassements, avec cette longue ligne droite, le seul endroit véritablement où on peut penser à dépasser, d'ailleurs une zone de DRS qui dépend de deux points de détection et non pas un seul, même si elles sont très très proches, la deuxième n'est pas vraiment utile. Les pneus autorisés pour cette course avec les super soft, les soft et enfin les médiums et enfin les intermédiaires et les pluies, cela ça ne change pas. Nous allons découvrir dans quelques instants les résultats du driver of the day concernant le Grand Prix de Silverstone. Sébastien Vettel ici 3ème sur la grille et le poleman, le voici, Max Verstappen, le jeune néerlandais qui se retrouve eh bien, après des conditions difficiles en qualification, héritier d'une pole 100% Red Bull. Alors ce n'est pas Daniel Ricciardo à ses côtés, mais bien l'Espagnol Carlos Sainz. Très impressionnant sur ça. Toro Rosso va d'ailleurs ensemble découvrir voilà, la grille de départ de ce Grand Prix de Hongrie. Avec voilà, Daniel Ricciardo au 8e. Un peu loin de son équipier. Déception hein, du côté de chez Red Bull pour l'Australien. Okay, so you're lower on the grid than we wanted. Let's make the start count. Voici donc cette grille de départ avec Verstappen qui sera donc le poleman du jour aux côtés de Sainz. Troisième place pour Vettel devant Stoffel Vandoorne. Les McLaren sont un petit peu en retrait, mais c'était de toute façon de la loterie du côté de ce samedi après-midi ici en qualification. Ricciardo donc 8e assez loin, Hamilton 9e, petite catastrophe tout de même. Belle 12e place de la manœuvre d'Esteban Gutiérrez qui fait une belle performance devant son équipier. On notera derrière que c'est un petit peu la désillusion pour Kevin Magnussen, Palmer et Ericsson hein, qui restent toujours derrière. Ocon 21e sur la Force India, ça reste difficile également pour le Français. On va voir donc si on peut redresser la barre du côté de l'équipe de Vijay Mallya qui en a bien besoin au niveau du classement général. Début du tour de formation ici avec, vous le découvrez donc, le driver of the day pour le Grand Prix d'Angleterre. C'était donc Stoffel Vandoorne avec 36,08% des suffrages. Vous pourrez, dès la moitié de ce Grand Prix, vous rendre dans la description, il y aura de nouveau un Stropol dédié pour ce Grand Prix de Hongrie. Alors qui sera le driver of the day? On va le découvrir donc dans un peu moins de 45 minutes. Le tour de formation a donc débuté sous le commandement du néerlandais Max Verstappen, héritier donc d'une belle pole position devant Carlos Sainz. Alors attention parce que Carlos Sainz est réputé pour prendre de mauvais départs quand il est très haut sur la grille. D'autant plus que tous les pilotes qui seront à gauche sur votre image, c'est-à-dire du côté droit de la piste, seront là où il y a tous les marbles, ces morceaux de gomme déposés, et on risque de voir des mauvais départs sur cette partie-là de la grille de départ. Restons donc attentifs à la mise en température des pneumatiques et des freins pour les pilotes partant sur la gauche de votre image. On continue cette grille de départ avec donc la mauvaise performance pour Lewis Hamilton et les McLaren, on ne va pas se mentir. Ceux-là sont habitués à se placer sous les deux premières lignes. Ici, on retrouve Vandoorne quand même 4e devant Alonso 5e. On va voir si Alonso peut d'ailleurs tirer profit de sa meilleure position sur la grille pour sauter son équipier au départ. Alors que là, on a bloqué les roues du côté de Vandoorne. Pour le coup, c'était très très proche du diffuseur de la Ferrari de Vettel. Et les voitures qui sont actuellement en train de rejoindre le troisième secteur. On attend donc beaucoup peut-être d'Esteban Ocon qui pourrait remonter. Retour à la norme pour les Renault. Et alors, petite chute quand même de performance pour les Manor qui, encore à Bakou, étaient sur la première ligne avec Jordan King. On le sait, avant le retrait de Rio Arianto et Esteban Gutiérrez en début de saison, ils sont revenus avec eh bien oui, la fin du contrat avec Mercedes. La voiture reste quand même soutenue par l'équipe. C'est assez flou pour le moment. L'année prochaine, on sait que Manor devrait quitter la Formule 1. Ils doivent simplement honorer un contrat jusque fin 2017, mais ils ne vont pas développer de voiture contenant un éventuel moteur V8. Ça, c'est vraiment l'annonce qui a été faite ce matin. Okay, Jeff, we'll see if we switch to the second plan for the race, but for the moment we stay with two stops and see how the first stint is going with these tires. Et on verra donc si l'année prochaine Manor sera encore sur la grille. Du côté de Vandoorne, tout est prêt, on garde le plan A et deux arrêts prévus comme pour beaucoup de pilotes. Les feux s'allument, le drapeau vert est présenté.
Et c'est parti, on roule en Hongrie avec un bon envol de Verstappen, également de Vettel depuis la deuxième ligne. Le pilote allemand qui a surpris l'Espagnol qui s'est complètement fourvoyé. Ah oui, très très mauvais départ de Sainz qui a perdu 4 places, peut-être même une 5e. Van Dorn a été doublé par Fernando Alonso qui se retrouve 3e. Assez chaud pour Raikkonen également. Derrière, on voit Hamilton en train d'essayer déjà de gagner l'une ou l'autre position. Là donc Verstappen en tête devant la Ferrari. Les deux McLaren qui suivent Sébastien Vettel, Sainz et ensuite Raikkonen. Derrière, on a une Renault et une Manor à la bagarre. Et ça se passe pour l'instant sans problème ce départ avec un bon envol donc pour Verstappen. Maintenant, reste à voir si et là, Red Bull Tiger peut tenir le rythme de ses poursuivants. On le sait, Verstappen n'est pas le mieux placé par rapport aux Ferrari, aux McLaren. Son package n'est pas très performant comparé aux deux autres machines. Et on aura déjà, je pense, un élément de réponse à l'issue du premier tour et au passage du transpondeur. On rappelle d'ailleurs qu'il n'y aura pas de DRS avant le troisième tour ici en Hongrie, comme c'est le cas à chacune des courses. Voilà, de retour avec Stoffel Vandoorne sur l'arceau du pilote McLaren. Point de vue global de la tête du peloton, Ricciardo qui s'est un petit peu loupé également au départ. Mais Sainz qui a eu beaucoup de mal de démarrer, on espère revoir le départ depuis la voiture de l'Espagnol. Verstappen en tête à l'issue de ce premier tour. Et on retrouve derrière le reste du peloton. Et l'attaque de Vettel pour la tête de ce Grand Prix d'Hongrie à l'intérieur avant même l'autorisation de l'utilisation du DRS. Verstappen qui résiste, roue contre roue. Et le Néerlandais qui maintient son avance, et c'est Alonso qui va peut-être tirer les marrons du feu et s'octroyer la deuxième place face à la voiture de Vettel qui résiste. Oh, il a failli toucher l'Espagnol. Vettel qui perd beaucoup de temps et Van Dorn qui passe. Oh, et attention, Sainz aussi, il se touche. Ah, ils se sont touchés avec Vettel et Van Dorn qui va mettre deux roues dans l'air. Bah, attention, c'est assez chaud là. Vettel qui a perdu sur l'espace d'un secteur de position. Et Sainz qui a failli également insérer le museau de sa Toro Rosso devant la Ferrari. C'était rapide ce plan de caméra sur la chicane. Et Alonso qui est peut-être encore en train de faire le coup par rapport à Van Dorn s'il va chercher Verstappen. Alors que l'on sent le Belge un peu plus en retrait dans ce début de course. Évidemment, le meilleur tour est pour l'instant à mettre au titre de Max Verstappen. On va voir si Alonso peut le dépasser dans ce deuxième tour. On va rester attentif au comportement de l'Espagnol. Allez, on embarque avec le double champion du monde. Allez, ça va être à mon avis une formalité pour la McLaren de se débarrasser de la voiture de Verstappen sur l'extérieur. Attention, il résiste bien en vitesse de pointe. Et Alonso qui est en tête. Alonso qui prend la tête du Grand Prix. Et ça lui permet maintenant de reprendre 10 points d'avance sur Van Dorn si les choses restaient telles quelles. Et Van Dorn qui pour l'instant est en phase d'attente, on ne le voit pas vraiment agressif. Il laisse la course se dérouler, ce qui n'est pas du tout le cas d'Alonso qui est peut-être un peu plus en train de mordre sur sa gomme. Yeah, Jeff, I know I'm faster, but I can't find a way to pass Verstappen. We have to wait for the DRS on the main straight. Alors que Van Dorn explique qu'il doit attendre le DRS pour trouver une solution sur Verstappen, ça n'est pas bon signe. On revoit voilà le très mauvais départ de Carlos Sainz depuis la première ligne. Sainz qui n'a pas voulu prendre de risques, mais peut-être trop de précautions d'ailleurs. On voit Van Dorn qui passe, on a failli voir la voiture de Kimi Raikkonen également s'imposer. Et Van Dorn également au large, les pneus peut-être pas forcément bien mis en température. Départ depuis la voiture de Nico Hülkenberg, l'Allemand sur la Renault. Partait très très loin. Et derrière, sur sa gauche, il y avait Rio Arianto, Kevin Magnussen et Daniel Viat. Alors le départ, ah oui, l'excellent freinage de Nico Hülkenberg qui est allé quasiment se mettre devant Lewis Hamilton. Ah, ils se sont touchés également avec Hamilton. On voit les stigmates sur le ponton droit de la Mercedes, mais c'était un bon envol. La BMW Sauber qui est une équipe qui souffre véritablement avec 0 points inscrits depuis le début de la saison. Avec le Suédois Marcus Ericsson déjà débordé par le Français Esteban Ocon sur la Toro Rosso
devant. On a vu également le bon envol de Daniel Viat. Et regardez ici la Williams qui se place complètement en plein milieu du peloton et qui va effacer Jolyon Palmer et le pilote suédois de la Sauber. Donc en tout cas, un départ qui aura été assez sage. On n'a perdu personne pour le moment. Les 22 acteurs sont toujours en piste. Attention, c'est large pour Van Doorn qui est désormais menacé par la Ferrari de Vettel. Ah, est-ce qu'on est en train de beaucoup trop économiser ou est-ce qu'on n'a pas le choix peut-être du côté de Van Doorn avec les pneumatiques super tendres. Raikkonen ici, la deuxième Ferrari. Ouais, Van Doorn qui est très large, on le voit dans le fond de l'image. Alors qu'Alonso s'empare de nouveau du meilleur tour, il améliore le pilote espagnol. Il est le plus rapide en piste pour le moment. Alors est-ce que Raikkonen avec le DRS peut porter une attaque? Ça va être difficile, sachant que la Toro Rosso de Sainz est également munie de cet atout. On est sur le fond du peloton avec les deux manœuvres. On n'est pas dans le fond du peloton, pardon, on est dans le fond du top 10. Avec pour l'instant une belle performance. Arianto derrière son équipier Gutiérrez. On est aux alentours de la 10 et 11e place pour les deux manors. On est proche des points, il faut continuer à aller prendre ces points dans la lutte qui les oppose à Force India, à Renault et surtout à Toro Rosso. Après un premier segment de saison réussi hein, pour Manor, avec quasiment eu un podium et une victoire. Mais bon, ça ne s'est pas joué à grand chose. Mais pour le coup, c'est vrai que l'équipe britannique souffre depuis le passage de Bakou. Et bien assurer sa place d'équipe doit maintenant continuer en espérant un repreneur pour la saison 2018. Sinon ce sera tout simplement l'arrêt du programme. C'est ce qu'a confié l'instance dirigeante de l'équipe Manor. Alors qu'ici on a Felipe Massa en lutte avec Daniil Kvyat. Le russe à l'extérieur peut-être pour résister aux Brésiliens. Alors là on est vraiment dans le fond du classement par contre. Attention, ouais, et ça bloque beaucoup au niveau des roues avant pour Massa. Viat qui doit se racheter un petit peu. Retour avec Van Doorn, troisième derrière Verstappen qui bouchonne. Regardez l'avance qu'a pris Fernando Alonso dans ce sixième tour de course et ça rentre. Van Doorn qui est le premier à rentrer au box et il est suivi par Lewis Hamilton, je crois. Van Doorn et Hamilton sont les deux premiers à observer un arrow stand dans ce Grand Prix de Hongrie. Attention à la limite, c'est 80 km/h et non pas 60. Alors, va-t-on monter des pneus soft sur la McLaren? Et non, on monte des pneus médium, hein, c'est intéressant. Oh, et ça repart de justesse devant Lewis Hamilton qui, lui, par contre, est parti en pneus soft. Alors, Van Doorn va peut-être tenter le coup de faire un troisième relais avec des pneus soft, ce qui lui permettrait d'avoir peut-être un peu plus de vitesse. On va avoir un long relais donc pour Van Doorn et un relais plus court pour Hamilton. On va regarder la différence de performance entre les deux. Pour l'instant, on est ressorti très très loin dans le classement. 17e place pour Van Doorn, 19e pour Hamilton. Ils entourent le français Esteban Ocon. C'est Kevin Magnussen pour l'instant qui est devant Van Doorn. À l'image Massa, Kvyat et je crois... Oui, c'est Magnussen qui est juste derrière, alors que l'on voit des morceaux de l'aileron arrière de la voiture de Kvyat qui sont endommagés. Regardez, voilà, ici au premier plan, l'aileron arrière semble avoir été arraché en partie. Je pense que la FIA va se, la FIA va se pencher sur ce morceau de carbone, peut-être pour, si ça devient trop dangereux, présenter un drapeau noir avec un point orange, qui signifie que la voiture représente un danger pour les autres concurrents. Et ça rentre d'ailleurs pour Kvyat. C'est parti de la deuxième salve d'arrêt au box. Tout le monde est en pneus super soft. On risque de voir des arrêts à des périodes similaires. Vous voyez que devant, il y a du monde. On est rentré chez Ferrari, chez Mercedes, sans doute pour Bottas. Ça ressort pour l'équipe Red Bull aussi. On se prépare chez McLaren. Est-ce qu'on a déjà reçu Alonso? Et ça ressort. Alors que vous avez en quart image la bagarre avec Vettel et Van Doorn. Vettel qui était donc ressorti devant le pilote belge, Van Doorn très au large. Alors qu'on a l'arrêt d'Esteban Ocon qui vous était montré en haut de l'écran. C'est bien passé pour le français. Pascal Wehrlein pour l'instant 10e. Et là on est dans un peloton extrêmement tendu puisqu'on a des pilotes qui ont ravitaillé et d'autres non. Donc on risque d'avoir des manœuvres un petit peu chaudes entre les différents acteurs de la fin du top 10. Yeah Jeff, I know, but I'm stuck behind this Sauber. I can't pass him. He's
slower. I need a solution now. I'm losing too much time behind this car. Vendon qui est en train de s'énerver derrière la Sauber de Pascal Wehrlein. Effectivement, Vendon qui perd beaucoup de temps. Et ça plonge désormais pour Sainz, Verstappen et Raikkonen. Si je ne dis pas de bêtises, devant ça doit être la deuxième Red Bull. On était rapidement très lent du côté de Raikkonen. On a mis le limiteur très tôt pour le pilote Ferrari qui a perdu une dizaine de mètres sur les autres voitures qui sont rentrées au box. Allez, ça repart pour le Finlandais avec des pneus médium. Riuarianto ici, l'Indonésien, qui repart lui en pneus soft. Et on est d'accord qu'il y aura donc deux arrêts pour l'ensemble du peloton, mais à des rythmes différents. Attention, Vendon qui est cinquième. Ouais, oui, il a perdu beaucoup de temps. Et il a perdu énormément de temps, Vendon, puisqu'il est désormais derrière Verstappen et Carlos Sainz qui ont ravitaillé. Alors, il a des pneus chauds, le Belge. Va-t-il pouvoir tirer profit de cet élément? Alors que devant Alonso, également chaussé de pneus médium maintenant, mène ce Grand Prix. Il fait le travail hein. Pour l'instant, l'Espagnol. Il ne peut pas faire mieux de toute façon face à Vendorn et sa McLaren. Très en maîtrise de son sujet pour l'instant, l'Espagnol, qui doit absolument gagner s'il veut reprendre des points à son coéquipier. Deuxième, nous avons Lance Stroll. Troisième, Verstappen. Quatrième, Carlos Sainz. Et cinquième, vous les avez à l'image avec Vendorn. Et la Williams devant qui n'a pas encore ravitaillé, ce doit être, voilà, oui, Lance Stroll, le Canadien. Et regardez Pascal Wehrlein, Vendorn avait raison, qui crée le bouchon. On voit Vettel bloquer les deux Mercedes et on voit Ricciardo aussi. Raikkonen, ils sont tous bloqués derrière Pascal Wehrlein qui n'a pas ravitaillé. Il était parti en médium, ça va encore plonger pour... La voiture de Kevin Magnussen, le Danois qui rentre au box. Mais regardez, le peloton est infernal. On va voir si les Ferrari peuvent trouver la solution. Alors le problème évidemment de cette Sauber, c'est sa vitesse de pointe qui est plutôt bonne. Et elle risque de poser des problèmes à certains. Et attention parce qu'il n'y a pas de drapeau bleu hein, pour l'instant. Alors que Romain Grosjean quitte les box, laissant la place à son Danois de coéquipier qui ressort également. Alors attention parce que devant ça risque... de s'annoncer très très chaud, les voitures qui sont séparées de quelques dixièmes seulement. Allez, avec Vendorn maintenant, plus qu'à l'attaque sur ses pneus médiums face à Sainz et Verstappen. Il doit remonter hein, s'il veut garder une chance. Pour l'instant, s'il termine à cette quatrième position, puisque Lance Stroll est repassé par les box, eh bien, ça lui ferait beaucoup de points perdus, puisqu'on sait que c'est 25 points pour le leader, 18, 15 et 12 points maintenant pour Vendorn. Donc ça ferait un gros gros trou dans l'avance du Belge au général. Vous avez vu un petit peu la teneur des pneumatiques et des températures sur la McLaren numéro 91. Retour avec Pascal Wehrlein, toujours en train de bouchonner. Et où est la Ferrari? Je crois qu'elle est passée, la première Ferrari, effectivement. Et regardez l'écart directement pris par Sébastien Vettel qui a trouvé la solution sur Pascal Wehrlein, qui reste donc une voiture très très lente sur ce tourniquet. Il faut absolument que les Mercedes passent. Regardez, voilà, Vettel qui s'est libéré. Il n'y a même pas un demi-tour de la Sauber derrière. Voilà, ça va attaquer. Est-ce que ça peut passer? Oui, la première Mercedes. La deuxième également va se présenter. Ricciardo qui va tenter de plonger aussi. Et il se ravise. Et finalement, le DRS. Retour avec Vendorn. Attention, c'est chaud avec Pascal Wehrlein qui reprend l'une des Mercedes. Il est à l'extérieur de Bottas. Ils vont se toucher. Il y a trois voitures appliquées. Et c'est maintenant une manœuvre qui percute le pilote allemand. Voiture de sécurité virtuelle. Que s'est-il passé? Et bien voilà, ça a été la catastrophe avec Pascal Wehrlein qui a remis trois voitures au tapis. On revoit ce qui s'est passé avec Valtteri Bottas qui était en lutte avec Hamilton. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a eu un retour de Pascal Wehrlein. Ah oui, non, mais Bottas est sorti très très large. Et oui, Wehrlein qui a vu l'opportunité à droite, il s'est infiltré. Et à gauche, Max Verstappen qui est allé créer une troisième ligne. Alors je ne sais pas pour vous qui est fautif dans cette histoire, mais Verstappen qui crée trois lignes, ça me paraît beaucoup. Ouais non, Verstappen, il n'y a pas la place du tout. Ça aurait pu passer, voilà, manque de chance. Voiture arrêtée sur la piste pour Riuarianto qui est allé percuter Pascal Wehrlein alors qu'il revenait sur la piste.
fois à l'appréciation de chacun, mais Verstappen qui crée une troisième ligne qui fait beaucoup de dégâts et premier abandon. On revoit, ouais, Lance Stroll d'ailleurs qui vient percuter son équipier, les voitures qui ne voient pas ce qui se passe. Et Perez également. Alors que l'on a l'arrêt de la voiture de Verlaine maintenant, mais à quel prix? Oh, et c'est le carton et c'est terminé pour Sergio Perez qui casse sa suspension. Deux voitures au tapis. Alors va-t-on avoir droit à une safety car complète de maintenant? Attention, oh là là, il y a énormément de débris. Jeff, we need an entire safety car procedure. We have too much debris on the track. Too much debris. I run over maybe 5 or 10 pieces of carbon. It's really dangerous, Jeff. Tell it to Charlie. We need a new safety car period. Alors que l'on demande une safety car du côté de Van Dorn, les deux Williams sont contraints à rentrer. On va passer directement en pneu médium pour aller au bout, mais... Alors qu'on remet un museau à Massa, la stratégie de Pascal Verlaine de rentrer plus tard aura coûté très cher, alors que c'est la fin de la procédure de voiture de sécurité virtuelle. Voilà, on repart sous drapeau vert, mais il va falloir faire les comptes parce que là, on a perdu beaucoup de temps et de monde du côté de Mercedes avec Hamilton et Bottas pris entre deux feux. Verstappen qui a dû rentrer et remettre un museau et Verstappen qui était en pole. C'est vraiment dommage pour le Néerlandais. Ah, on a payé vraiment le prix fort. On va faire le point. Donc on a donc maintenant Alonso en tête devant Sainz, Verstappen, Van Dorn et Vettel pour le top 5. Mais alors qu'on a de nouveau un drapeau jaune ici, serait-ce uniquement le drapeau jaune pour les débris? C'est pas impossible. Et attention, parce qu'une crevaison ici peut faire des dégâts. Allez, regardez les débris qui sont toujours présents. Il y a beaucoup de morceaux de carbone dans ce deuxième secteur. Passage par l'extérieur pour certains. Ici, on a la bagarre pour la quatrième position entre Sainz et Verstappen. Et est-ce que Van Dorn serait repassé deuxième si ceux-là sont retournés au box? Ouais, on aurait bien Stoffel Van Dorn au second rang derrière son équipier. Peut-être profitant de la voiture de sécurité virtuelle. Et non, c'est une erreur d'affichage. Ils sont bien en bagarre pour la deuxième place, Verstappen et Sainz. Van Dorn qui continue pour le moment. 13e des 35 tours ici en Hongrie. On informe Van Dorn que Grosjean reprend un rythme de course. Vettel qui est en médium, tout comme Van Dorn. On va donc avoir un troisième relais très très fort de la part de l'Allemand et du Belge. Petit update sur les écarts entre Van Dorn et ses poursuivants, mais ça peut être un sacré gain pour l'équipe McLaren si d'aventure Van Dorn repartait en pneu soft pour son dernier relais. Il parvient à garder le rythme et ne pas se retrouver trop loin des deux pilotes devant. Peut-être quelque chose à faire dans les 10 derniers tours de cette épreuve. Alors que Van Dorn, voilà, tourne très bien. Oh, il y a beaucoup de débris. On a vu Van Dorn à la dérive pour les éviter. Alors, Pascal Verlaine, acte 2. Cette fois-ci, il est en lutte avec Nico Hülkenberg et je crois Daniel Ricciardo. Verlaine qui continue. Il est repassé par les box du coup suite à cet accident. Il a changé de museau. Il est reparti en pneu soft. Et on se bat pour des points malgré tout. Hein. Ricciardo et Verlaine en lutte pour la 8e position. Et on retrouve une Renault dans les points, donc je le disais, celle de Nico Hülkenberg. Et enfin, la deuxième Toro Rosso, dixième, celle de Daniil Viat, le pilote russe. Passage à la chicane. Et ce qui est inquiétant, c'est que Ricciardo, après son accident, a un rythme un peu trop similaire à celui de Verlaine, qui parvient sans problème à le maintenir. Alors Verlaine a des pneus super tendres, évidemment. Jeff, it's really dangerous out there. I have seen a lot of debris on the track. We need a full safety car procedure. Full safety car procedure, please, it's dangerous. Évidemment, la politique de Van Dorn serait de demander une voiture de sécurité. Ça l'aiderait à revenir sur Alonso. Mais on ne peut pas lui enlever le côté argumentaire de sa défense avec des débris présents dans le deuxième secteur. Arrêt pour Esteban Gutiérrez, le Mexicain. Alors que devant, Kvyat et Hülkenberg se battent.
pour la 11e place maintenant. Et on retrouve donc Wehrlein devant Kvyat et Hülkenberg. Et ils sont trois à chercher le point de la 10e place là en ce moment. Et les stigmates également sur le ponton de la voiture d'Hülkenberg. Retour avec Vandoorne dans le 16e des 35 tours de ce Grand Prix. Et il continue de chasser. Oh, il bloque ses roues. Et Vandoorne qui n'est pas à son affaire. La McLaren qui n'est pas au top. Pour l'instant, arrêt prévu, vous l'avez vu, entre le 23 et le 24e tour pour l'instant. Ah, et retour au box pour la voiture de Daniel Ricciardo. Alors, va-t-on certainement monter des pneus médiums pour aller au bout du côté de la voiture du pilote australien. Et non, on remet un train de super tendre, stratégie intéressante. Arrêt également du russe Daniil Kvyat qui également rechausse un train de super tendre. C'est ceux qui ont opté pour trois arrêts. Et du côté de Hülkenberg, là on est sur deux stops puisqu'on a démarré la course en pneu médium. On est maintenant en soft et on devrait terminer en super soft, je pense. It's just unbelievable to still racing on the green with this debris on the track. Just too dangerous for me. Et Vandoorne qui maintient le besoin de nettoyer la piste des débris dans le deuxième secteur. Mais bon, pour l'instant, on va dire que c'est trop tard puisque les pilotes ont pour la plupart vu ce qui se passait et ont pu évaluer le niveau de débris et les éviter. Maintenant, reste à espérer qu'il n'y ait pas une crevaison en préparation chez certains. Vandoorne qui retombe d'ailleurs derrière l'une des As. Ici, on a la lutte entre Lewis Hamilton et, je crois, Sébastien Vettel, deux pilotes qui ont été victimes de l'accident de causé, on peut dire, peut-être par Max Verstappen. On ne peut pas le nier. Alors que devant, il y a la Haas, je crois, de Romain Grosjean. Et vous voyez les débris, on les évite, maintenant on les connaît. Bataille pour la 5e position. Et on voit Vandoorne. Et non, ça n'est pas Grosjean, pardon, c'est Kevin Magnussen. Et Magnussen qui ralentit fortement Vettel et Hamilton qui restent bloqués derrière l'As. Oh, attention, et au drapeau bleu. Décidément, Vettel et les drapeaux bleus, ça restera une histoire d'amour pendant toute sa période Ferrari parce que là, ça a failli être son avantage, mais non. Hamilton a pu également passer. La Haas se retrouve maintenant entre Hamilton et la deuxième Ferrari, celle de Raikkonen qui suit pour le moment. Un nouveau tour couvert avec peut-être le DRS qui permettra à Hamilton de prendre l'avantage sur la Ferrari. Ah, Hamilton qui se porte à la hauteur de Vettel. Il déboîte et le dépassement d'école, c'est fait. Quoique c'est fait, résistance à l'extérieur de Vettel. Non, Hamilton complète la procédure et ouvre même le DRS. Retour quelques hectomètres plus en avant sur Vandoorne qui souffre avec ses pneus. Ah, c'est un peu un calvaire les pneus médium dans ces conditions pour la McLaren. On notera tout de même la belle performance de la part de Max Verstappen qui, après avoir signé la pole et avoir été pris dans un très très gros accrochage, eh bien se retrouve troisième. Nouvelles informations communiquées à Stoffel Vandoorne à la radio. Alors c'est Alonso qui est en pneu médium. Pour l'instant, gère convenablement sa stratégie. Tiens, il suffit d'en parler, le voici, le leader de ce Grand Prix de Hongrie, Alonso de bout en bout pour l'instant en tête. Et sauf une casse mécanique, eh bien rien ne pourra arrêter
le taureau des Asturies. Ça y est, ici on a Bottas qui passe de nouveau Verlaine. Verlaine qui aura eu du temps d'antenne pour l'équipe BMW Sauber. Alors est-ce que c'est de la bonne publicité? En tout cas, ça en est, ça c'est sûr. Ricciardo derrière avec la deuxième Red Bull qui va tenter de prendre le dessus sur la Sauber et le pilote allemand. Garder le contact avec Bottas sur la deuxième Mercedes. Allez, est-ce que ça va passer? Ils ont tous les deux le DRS, ça ne va pas faciliter la tâche du côté de Ricciardo et c'est passé. Et les deux voitures qui ont toujours accès au DRS malgré tout, mais ça ne bougera plus. Verlaine est battu. Est-ce que Vandoorne peut aller rechercher Verstappen pour le podium? Il aura les pneus pour dans quelques instants, alors que Verstappen va rapidement rentrer. Voilà, arrêt au box. Arrêt au box de Max Verstappen. Pas de pluie confirmée. Et voilà, c'est passé. Arrêt également pour Carlos Sainz. On voit dans le fond de l'image Max Verstappen. Voilà, les deux voitures aux couleurs de la célèbre marque de boissons énergétiques qui quittent les box. C'est également le dernier arrêt que devait observer Lewis Hamilton. La voiture numéro 44 se retrouve donc maintenant en piste. Son équipier maintenant à l'image, Valtteri Bottas, va-t-il également plonger? Je pense que oui, la stratégie le veut. Non. Ah, on reste un peu plus longtemps en pneu tendre pour Bottas. Alors, du côté de Vandoorne, il y a encore quelques boucles à effectuer. Encore 5 au moins avant de rentrer au box pour chausser les pneus tendres. Record du tour pour Daniel Ricciardo et la Red Bull qui évolue maintenant en pneus. Voilà, super soft lui. Et l'arrêt de Bottas maintenant, un tour plus tard, après Lewis Hamilton. On pensait que les deux Mercedes allaient rentrer dans un tour unique. Et un peu d'air frais pour Ricciardo. Attention, Verlaine toujours au cœur de la bagarre. Cette fois-ci avec ses... Oui, Daniil Kvyat pour la 10e position qu'il vient de perdre. Est-ce que Sauber est en passe de débloquer son compteur? Ce serait intéressant de voir si Verlaine peut amener le premier point de l'année à Sauber. Ce serait dans des conditions absolument historiques avec l'accident de tout à l'heure. Ses débris toujours jonchant la trajectoire dans ce deuxième secteur. Retour sur Alonso qui va rencontrer sur sa route Julian Palmer en lutte avec Esteban Ocon. Le Britannique et le Français qui vont devoir s'écarter au drapeau bleu. Ouais, mais dans ce deuxième secteur, ça n'est pas simple. Voilà. Oh, attention! Sur l'intérieur, c'était peut-être pas une option qu'aurait souhaité Alonso là pour prendre le dessus sur Ocon. Un peu de temps perdu et ça donne de l'air à Palmer dans sa lutte avec le Français. Et ça ne rentre pas pour le Britannique. Alonso qui poursuit sa route. Retour sur Nico Hülkenberg maintenant. Également hein, en lutte pour éventuellement le point de la 10e position au jeu des arrêts au stand et de la stratégie. Lui, il est en pneu soft. Alors qu'on ne va pas traîner à rentrer non plus du côté de Vandoorne d'ici quelques tours. Et on retrouve un trio de tête désormais chaussé en pneus médium. Donc ces trois-là vont être sur la même stratégie. Alonso, Vandoorne et Vettel. Mais Vettel qui revient sur Vandoorne puisqu'il a ravitaillé beaucoup plus tard Sébastien. Et lui va au bout avec ses pneus médium, je pense, puisqu'il a déjà chaussé. Un train de pneus soft, attention, Vandoorne très au large. Dans les enchaînements, la gomme du Belge qui est au bout. Et il doit maintenant se défendre de Vettel et peut-être dans quelques instants de Raikkonen s'il continue de bouchonner de la sorte. Alors il ne bouchonne pas vraiment, il se défend. Ah, Vettel qui plonge, oui, Vandoorne qui est au bout de ses pneus. La fin du train de pneus pour le Belge. Et il plonge, ah oui, Vandoorne qui au dernier instant se met sous le nez de Vettel. Je pense pas que c'était prévu tout de suite l'arrêt de Vandoorne. Ça laisse le champ libre à Raikkonen qui hérite de la deuxième position derrière Alonso et l'abandon de Marcus Ericsson. Et voiture de sécurité virtuelle, c'est un très bon coup qui est en train de faire Vettel et aussi Alonso devant. Oh, et Vettel qui passe, on a été plus rapide chez Ferrari. Et oui, 3 secondes 2 chez McLaren.
Et on ne peut pas dépasser. Voiture de sécurité virtuelle, l'abandon pour Marcus Ericsson. Que s'est-il passé pour le pilote suédois? Voiture arrêtée au poste numéro 5-6 sur notre écran. Ah oui, on voit sur la gauche. On l'a vu sur la gauche, elle est là. La Sauber qui s'est arrêtée. On revoit ce qui s'est passé. Et c'est une salade de Biel pour Marcus Ericsson qui s'est rapidement mis sur le côté. Ah oui, là le moteur Ferrari qui casse. Et bien quand ça n'arrive pas au As, c'est une Sauber qui jette l'éponge. La fin de la procédure de la voiture de sécurité virtuelle. 19 pilotes encore en course et c'est reparti. Et Vettel qui se fait attaquer directement par Van Dorn dans la chicane et ça passe. Oh, très incisif alors que... c'est au tour du leader de rentrer au box sous régime de drapeau vert. On le confirme à Van Dorn, Alonso est au box. Et bien voilà, Vettel qui n'aura pas fait long feu devant Van Dorn. Arrêt pour Esteban Ocon, le français qui jette son choix, son dévolu sur un deuxième train de pneus soft qui est lui déjà rodé. Alors que Raikkonen va stopper Massa au box pour des médiums, on va aller au bout. C'est tard pour des médiums du côté de chez Williams. Opération similaire chez Raikkonen, mais cette fois-ci, ce sont des pneus soft. Et attention, parce que Raikkonen, avec des pneus soft, peut être une menace sur le podium. C'est ici la voiture d'Esteban Gutiérrez, le Mexicain, qui fait partie des pilotes dont la stratégie était à 3 stops et qui repart avec un deuxième train de pneus soft pour aller au bout. Il va falloir faire les comptes. On a donc Van Dorn chassé par Vettel, Verstappen, et ici, on a Massa qui est... deux roues dans l'herbe avec un pilote Mercedes derrière lui, c'est Hamilton qui passe. Drapeau bleu pour Massa. Hamilton qui est passé dans un secteur très difficile hein, lorsque l'on est confronté au drapeau bleu. Van Dorn qui est en train de réaliser pour l'instant le meilleur tour premier, meilleur secteur pour le Belge. Ça continue d'attaquer. Très très fort et record du tour pour Van Dorn, 1:22.773 pour la McLaren qui fait fort. Et il revient sur Carlos Sainz qui est pour l'instant en pneu médium. Sainz qui s'est bien remis aussi, hein. Lui qui avait complètement raté son départ. Et voilà donc l'annonce, vous pouvez désormais voter pour le Driver of the Day dans la description sous cette vidéo. Votez donc pour le pilote qui pour l'instant vous a marqué dans ce Grand Prix de Hongrie. Vous pourrez bien évidemment voter jusqu'à la fin de ce Grand Prix et bien plus tard le nom du vainqueur sera, comme pour ce Grand Prix de Hongrie, dévoilé lors du départ du Grand Prix d'Allemagne qui se courra pour la dernière fois au Hockenheim. On vous l'a dit donc, le Grand Prix d'Allemagne qui disparaîtra du calendrier 2018 de Formule 1, un calendrier qui s'annonce beaucoup plus court. On va perdre quelques grands prix, alors pour l'instant rien de bien certain, mais certains sont en sursis pour des déplacements, notamment Interlagos qui pourrait devenir le nouveau dernier grand prix de la saison. On pourrait perdre également d'autres courses. Les contrats ne sont pas encore signés puisque désormais, vous le savez, après la passation de la direction de la FOM de Bernie Ecclestone à Chase Carey, le pilote belge est en train encore d'améliorer ici Van Dorn. Meilleur tour sur meilleur tour, et bien Jace Carré, le responsable américain, voilà, une 22-5, encore 2 dixièmes de mieux pour le Belge, est en train de remettre eh bien, un coup de pied dans la Formule 1 pour lui mettre un peu de... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Hamilton qui n'a plus d'aileron. Lewis Hamilton qui n'a plus d'aileron, il est au ralenti dans l'entrée des box. Que s'est-il passé pour Hamilton? On va revoir ça. Oh, il éclate un pneu! Est-ce qu'il a roulé sur un débris? Oh, Lewis Hamilton qui a éclaté un pneu et qui ne peut plus tourner, évidemment, et qui va percuter le muret des pneus. Et il est touché par une Ferrari, je crois. Oh, Lewis Hamilton qui est en train de perdre beaucoup au classement. Vettel 101 points, 109 points pour Hamilton. Regardez ce qui se passe, voiture arrêtée au poste numéro 23. Oh oui, ils ralentissent tous les deux derrière, ils parviennent à éviter l'accrochage. C'était Raikkonen, voilà, rentrée au box d'Hamilton qui va repartir avec des pneus super tendres. Et un nouveau capot, mais... Ah oui, crevaison pour Hamilton, il y a peut-être des morceaux de pneus maintenant aussi dans le troisième secteur, attention.
Et Alonso qui reprend le tour le plus rapide en 1:22.198. Et Vendôme qui avait fait la jonction avec Sainz pour peut-être récupérer la deuxième position. Beaucoup de débris de nouveau dans le dernier droit. Va-t-on avoir droit à une voiture de sécurité pour nettoyer tout cela? Ça ne semble pas être au programme. La direction de course qui ne bronche pas. Et Vendôme qui va aller chercher Sainz au bout de la ligne droite. Et c'est fait. On a désormais les deux McLaren au commandement. Et abandon de Lewis Hamilton disqualifié par la direction de course. Alors que l'on a une voiture arrêtée dans les box, c'est une Haas. Il y a une Haas qui est arrêtée devant son garage. C'est Romain Grosjean. Et on ne semble pas prêt à travailler sur cette voiture. Sans doute des problèmes de frein ont refroidi les écopes. Mais regardez, c'est absolument incroyable que la course continue avec tous ces débris jonchant les différents virages. Et la troisième place qui est en sursis pour Carlos Sainz. Vettel qui revient. Vettel et Vendôme qui sont en train d'avaler la Toro Rosso, alors que devant Alonso semble impérial. Il n'est pas perturbé non plus par les retardataires pour le moment. Sainz qui va devoir résister, mais pour combien de temps face à Vettel? Avec le DRS, la Ferrari et ses pneus vont sans doute faire la différence maintenant. Et c'est passé. Attention, le blocage de roue pour les deux. Il y avait Hülkenberg qui sortait de la voie des stands. Et bien voilà, donc Vettel se retrouve troisième de ce Grand Prix derrière les deux McLaren. Et pour l'instant, contrat rempli pour Alonso et Van Dorn. Avec 7 points de perdu pour le pilote belge qui, voilà, va désormais effacer une Force India. C'est Esteban Ocon, le français. Alors qu'il y a toujours une Haas arrêtée au box. Voilà Romain Grosjean. On ne travaille pas sur cette voiture. Que se passe-t-il? Romain Grosjean arrêté dans la pit lane sans raison. Alors est-ce qu'on est en train de discuter? Y a-t-il une pénalité feu rouge présentée aux Français? Ah, c'est dommage. Et les As qui sont en train de dégringoler dans cette deuxième moitié également de saison après une bonne première partie d'année. La saison 2007 qui s'annonce plus difficile. Et McLaren qui pour l'instant est titulaire de 100 points d'avance au classement constructeur va sans doute rajouter pas mal d'unités face à Ferrari, dont le meilleur représentant est pour l'instant 3e et peut-être 2e dans peu de temps, puisque Vettel est plus rapide que Stoffel Vendôme. Et Sainz derrière qui maintient Hülkenberg et les autres pilotes retardataires. Est-ce que Vettel va aller chercher la deuxième place? Ça ferait un trou de 10 points pour Vendôme. Il ne reste plus beaucoup de tours à Vettel s'il veut s'octroyer la deuxième place, mais la Ferrari n'a pas dit son dernier mot. Retour sur la bataille pour la 11e place entre Lance Stroll et Pascal Wehrlein. Stroll qui a fait une course plutôt discrète avec la Williams, tout comme Massa, on ne les a pas beaucoup vus à l'antenne aujourd'hui. Mais on risquerait de le voir accéder aux portes des points, puisque la Williams, on peut plus à son affaire que la voiture de Wehrlein, qui a quand même subi pas mal de dégâts depuis le début de cette épreuve. Wehrlein qui aurait été vraiment la boule de flipper de ce week-end hongrois. Ça va passer là pour Stroll, il n'y a pas d'autre solution je pense pour Wehrlein. Difficile de le voir résister outre mesure. Allez, on garde en quart image la lutte entre Lance Stroll et Pascal Wehrlein, alors que Van Dorn conclut un nouveau tour. Il va lui rester 5 boucles maintenant. Et ça va passer pour Vettel. Vettel qui passe au DRS. Et bien l'Allemand qui s'empare de la deuxième place. Ça bloque les roues encore pour Van Dorn. Il va tout tenter pour aller rechercher peut-être sa deuxième place, mais il a été battu en ligne droite par Vettel. Van Dorn qui n'avait pas la même voiture qu'Alonso aujourd'hui, c'est clair. Beaucoup moins rapide et agile en ligne droite.
Vettel donc qui va faire un joli bond en avant. Alors sachant que Vettel a 101 unités pour le moment, s'il en ramène 18, il va faire joli coup puisqu'il aura désormais 10 points d'avance sur Lewis Hamilton qui n'en marquera pas après son abandon du jour. Et parmi les hommes de tête, c'est Hamilton qui fait la mauvaise opération évidemment, puisqu'il va se retrouver débordé par Vettel et sans doute proche de Raikkonen qui devrait terminer je pense au quatrième rang de ce Grand Prix. Alors qu'on rappelle évidemment que vous pouvez voter pour le Driver of the Day, votre pilote du jour. I can't get more power from the engine, Jeff. It's not a solution to use DRS. I can't overtake. This car is too fast for me. Alonso en tête et Vendôme derrière qui dit tout simplement qu'il n'a pas assez de vitesse de pointe pour aller chercher la voiture de Vettel. Mais dans le secteur sinueux, ça peut-être encore le faire s'il parvient à trouver l'ouverture. Et il revient, attention, parce qu'il revient sur Pascal Wehrlein. Alors est-ce que ce sera le driver of the day Pascal Wehrlein, mais pour les mauvaises raisons, on verra bien. Pour l'instant, chapeau bas à Vettel, hein, d'où il revient. Et Carlos Sainz aussi. Sainz qui de nouveau a fait un week-end très, très intéressant. Oh, Vendôme très large. Vendôme très large, attention à ne pas répéter cela trop souvent. La direction de course pourrait se pencher sur son cas. Pas d'alerte pour l'instant de notre côté pour les pilote en termes de track limits. Seul Marcus Ericsson a été prévenu, mais d'où il est maintenant, il ne peut plus craindre grand chose. Il reste 18 monoplaces dans ce Grand Prix de Hongrie. Il nous reste également deux boucles pour déterminer le podium. Van Dorn a-t-il les ressources nécessaires pour contrecarrer Vettel, inverser la tendance et reprendre une éventuelle deuxième place. Yeah, Jeff, you already told me to use DRS, but I can't overtake him. He's too fast on the main straight. How to tell you, he's too fast. On assiste sur l'utilisation du DRS du côté de l'ingénieur de Van Dorn et ce dernier lui explique qu'il a beau demander 30 fois d'utiliser le DRS, si le moteur ne suit pas, ça ne suffira pas. Retour sur Alonso, qui semble proche de la Toro Rosso de Daniil Viat maintenant pour prendre un nouveau tour au pilote russe. Drapeau bleu pour Alonso, l'un des candidats au Driver of the Day. Week-end parfait pour lui. En essai libre, la qualification lui a offert la pole. La victoire peut-être aujourd'hui. Il entre dans les derniers moments ici en Hongrie. Dernier tour bientôt pour Van Dorn. Également à la lutte avec Sébastien Vettel. Alonso donc dans la dernière boucle. 6 dixièmes de retard pour Van Dorn. Le DRS pour tenter une dernière fois quelque chose peut-être. Blocage intempestif des roues hein, pour Van Dorn qui n'est vraiment pas à l'aise, ça se sent. Sainz va-t-il résister également? Ou est-ce que Raikkonen va récupérer le pied de podium? Toutes ces réponses auront été dévoilées dans quelques minutes. Regardez, voilà. Ah non, Raikkonen qui s'est fait d'ailleurs passer par Verstappen. Ah, attention, Raikkonen qui va attaquer Verstappen avec des pneus tendres frais. Verstappen qui était parti en poule, qui a été pris dans l'accrochage, qui repart maintenant. Voilà, 7ème. Allez, retour sur Vendôme dans le dernier tour de ce Grand Prix de Hongrie. Va-t-on voir un revirement de situation face au pilote allemand? Oh, ça glisse beaucoup dans le dernier tour ici. Hungaroring, Alonso dans le troisième secteur. Alonso qui arrive. Nouvelle victoire cette année pour le pilote espagnol qui se relance au championnat. Victoire de Fernando Alonso ici en Hongrie. 25 unités dans l'escarcelle du pilote espagnol. Belle performance. Rien à redire sur le week-end du pilote espagnol. Derrière par contre, Vettel va-t-il tenir le coup? Ça semble plus que probable. Voilà, deuxième position pour Sébastien Vettel. Vendôme va compléter le podium. L'objectif n'est pas atteint pour McLaren. Vettel deuxième. Bravo au pilote allemand. C'est fait. Et Alonso qui complète donc la troisième place. Thanks, Jeff.
congratulations for the podium. Sorry for shouting at you, but it's too difficult for me to speak while I'm driving on this kind of track. So, yeah, good news for us. It's a podium. We're losing some points, but anyway, it's a good result for the team. So, congratulations to everyone. Et le discours a légèrement changé tout de même. On n'a plus bravo à Fernando, mais bravo à l'équipe. Et voilà donc ce podium composé des deux pilotes McLaren et de Fernando Alonso. La McLaren qui l'emporte donc. Et le trophée soulevé par Fernando Alonso, donc vainqueur devant Vettel. Van Dorn, troisième. Le champagne coule désormais à flot. L'occasion de vous rappeler d'ailleurs que vous pouvez maintenant, une fois le drapeau à damier passé, voter pour le Driver of the Day. Dans la description, le lien Stropole vous permettra de choisir parmi les 22 pilotes de cette grille. Le podium étant terminé, nous pouvons maintenant jeter un œil aux résultats finaux de ce Grand Prix ici en Hongrie. Le classement général avec, vous le voyez, l'abandon pour Ericsson, Arianto finalement, Perez et surtout Lewis Hamilton, Vettel qui passe donc voilà 10 unités devant le pilote britannique qui est au classement constructeur. Et bien McLaren désormais 138 unités et d'avance sur la structure Mercedes et enfin 148 sur l'équipe Ferrari. Voilà donc pour le Grand Prix de Hongrie 2017. On se donne rendez-vous très vite pour vivre ensemble le Grand Prix d'Allemagne sur les terres de Sébastien Vettel et de Mercedes. Va-t-on avoir droit à une victoire d'une de ces deux équipes ou va-t-on de nouveau retrouver Alonso ou Van Dorn sur la plus haute marche du podium? Il y aura également une évolution amenée en Allemagne pour l'équipe McLaren. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste. Salut !